Bonjour à tous, cette semaine on parle des Barjo Dunker à la salle Vanpoule à Cambrai. Et on est donc avec Thomas Barbeau du Cambrai Basket pour parler d'un événement exceptionnel. Ce samedi, la venue des Barjo Dunker et une journée exceptionnelle samedi. Alors Thomas, donnez-nous le programme de cette journée de samedi. Bonjour Antoine, oui, un événement unique dans la région, organisé en partenariat avec le club de Cambrai Basket. Nous recevons samedi soir à 20h les Barjo Dunker. Aujourd'hui, c'est une journée complète qui est organisée à partir de 14h. Ouverture des portes, puisqu'à 15h, on a un match amical entre Cambrai et Proville au niveau région, suivi à 17h30, 18h d'un match de National 2 Handi Basket, handicap moteur et qui évolue à un excellent niveau. Et ensuite, on a la chance de pouvoir recevoir les Barjo Dunker à partir de 20h, hein, qui est un show quand même exceptionnel. Ce sont des gens aujourd'hui qui sont mondialement connus. Plus de 150 shows réalisés par an sur l'ensemble du continent. Ce sont aujourd'hui déroulés le spectacle aux Chicago Bulls, à Utah Jazz. Et ils sont demi-finalistes de la France, un incroyable talent. Ils sont aussi participés à l'Euroleague de basket, les Final Four, et ils sont prévus aujourd'hui sur les JO à venir à Paris. Ils sont passés à peu près un mois sur France 2. Donc ce sont des gens aujourd'hui qui sont aujourd'hui mondialement connus et c'est un véritable spectacle. Alors on sait que chaque année à cette période-ci, il y a tout le temps des spectacles pour le basket, pour le club. D'habitude, c'est des spectacles qui se tiennent au théâtre. Et là on renoue un peu avec le basket puisque c'est des basketteurs avant tout. Hein. Tout à fait. On a de manière historique Gérard Prévost qui travaille assidûment aujourd'hui à promouvoir l'image du club et proposer tous les ans un gros événement. Aujourd'hui, grâce à son relationnel, on réussit à faire venir les Barjo Dunker à Cambrai. Aujourd'hui, c'est quand même un spectacle assez grandiose qui va nous apporter à la fois un peu de notoriété, pouvoir proposer un spectacle à l'ensemble des Cambrésiens. Mais aujourd'hui, on a un gros investissement du club. Ça fait 4 mois qu'on travaille sur ce dossier et surtout la volonté d'investissement du club pour proposer à la fois un spectacle qui est accessible à tout le monde et notamment aux familles, puisqu'on a un prix d'entrée de 8 euros hein, qui est presque moins cher qu'une place de cinéma et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et bien sûr, ça se tient. Si on est ici à la salle Vanpoule, c'est parce que ça se tient à Vanpoule. Quel meilleur écrin que Vanpoule à Cambrai? Oui, c'est notre plus belle salle aujourd'hui. Hein. Le club évolue dans deux salles principalement, la salle Léo Lagrange, historiquement à Martin Martine, pour lequel moi j'ai joué pendant une petite quinzaine d'années, et la salle ici de Jean-Marie Vanpoule, qui est partagée à la fois avec le volley et une partie du hockey pour la saison en salle. Et donc la transition est parfaite, ça nous permet de parler un peu de la saison avec l'équipe Fagnon, une nouvelle saison avec une saison 1-3 qui est mitigée mais qui est plutôt pas trop mal. Oui, l'équipe a été remaniée à hauteur de 80%. Aujourd'hui, le cadre de la structure du club, c'est à la fois Sophie Legrand, coprésidente avec Denis Roussel, qui souhaitait maintenir l'existant du club. Aujourd'hui, le club, c'est un peu plus de 260 licenciés. 14 équipes, inscrites en championnat, un peu plus de 210 matchs joués dans l'année, donc ça fait 110 matchs tous les week-ends, donc ça fait à peu près 9 matchs tous les week-ends, 110 matchs par an. Voilà, aujourd'hui, on part des U6, U7, jusqu'aux adultes, avec une équipe handi basket qui a raté de très peu la montée l'année dernière en National 1A. L'objectif, c'est de jouer le top 6 cette année en National 3, et puis des équipes loisirs également pour donner un accès à tout le monde. C'est ça, c'est un sport pour tous, vraiment les filles, les garçons, tout âge, même le handi. Même le handi, aujourd'hui, l'idée du club, la volonté du club, c'est de promouvoir le basket, qui est un sport populaire, de pouvoir proposer d'autres activités. On a les 48 heures du basket. On travaille également en étroit partenariat avec François Villard, qui est médecin et qui est en train de promouvoir le basket santé également, hein, pour pouvoir... En lien avec la maison sport santé. En lien à la maison sport santé. Et pouvoir emmener tous les jeunes également en voyage, faire des tournois, faire des plateaux un peu partout dans la région pour continuer à promouvoir ce joli club de basket qui existe depuis 1940 maintenant. C'est ça. Et pour gérer tout ce monde, c'est aussi une équipe de bénévoles. C'est de plus en plus rare les bénévoles, mais à Cambrai Basket, ça reste une belle équipe. Oui, on a un très joli comité. On a surtout beaucoup de bénévoles qui nous accompagnent. D'une part, pour pouvoir gérer les entraînements des équipes, pouvoir gérer les structures. On a des parents qui accompagnent également toutes les équipes de jeunes. On n'a jamais assez de bénévoles, mais on a une très belle structure aujourd'hui pour pouvoir faire tourner l'ensemble de cette grosse association. On va rappeler maintenant l'événement principal. Donc c'est ce samedi. Ce samedi, à partir de 20h. À la salle Jean-Marie Vanpoule, donc 8 euros l'entrée, 12 euros gratuit pour les moins de 12 ans,
Les places sont disponibles en pré-vente sur la page Facebook de Cambrai Basket officielle, ou sinon les places sont à vendre directement à l'entrée. Ouverture des portes à partir de 14h pour l'ensemble des matchs de l'après-midi, ou à partir de 18h si vous souhaitez regarder les autres matchs et accéder à ce grand spectacle unique dans le Cambrésis. Et qu'on vienne à partir de 14h ou qu'on vienne pour le soir le spectacle, le prix est le même, hein ? Le prix est identique, voilà, vous avez accès à tout, il y aura une petite restauration sur place, le bar sera ouvert et on pourra aujourd'hui vous montrer l'ensemble des coulisses de notre club, avec grand plaisir. Eh bien parfait, le rendez-vous est pris, on sera là. Merci Thomas, merci beaucoup. Merci de ta présence Antoine, merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.